La Genèse chapitre 33 Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec quatre cents hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre sept fois, Jusqu'à ce qu'il fût près de son frère, Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Ésaü levant les yeux vit les femmes et les enfants et il dit :« Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit :« Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent elles et leurs enfants et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit :« À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit :« À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit :« Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit :« Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui, et Ésaü accepta. Ésaü dit, Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit, ⁇ Monseigneur sait que les enfants sont délicats, et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. ⁇ Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Seïr. ⁇ Ésaü dit, ⁇ Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Jacob répondit pourquoi cela que je trouve seulement grâce aux yeux de mon seigneur le même jour Esaü reprit le chemin de Seir Jacob partit pour Succoth il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux c'est pourquoi l'on a appelé ce lieu de nom de Succoth à son retour de Padamaram Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de sichem, pour cent qu'hésitât. Et là, il éleva un autel qu'il appela el Eloé Israël.